Oh mon dieu, je suis éclatée au sol. Mais comment on peut se présenter comme ça devant vous? Bon, comme vous pouvez le voir avec les lunettes, je suis extrêmement fatiguée, j'ai trop mal aux yeux, mes yeux sont secs, mes yeux sont brûlants, mes cils, n'en parlons même pas. Il est 10h33, j'ai fait une très bonne nuit de sommeil, parce que la semaine dernière, bon, vous n'avez pas eu de vidéo hier, donc nous sommes le lundi. Il y a beaucoup d'informations là. Nous sommes le lundi 24, hier vous n'avez pas eu de vidéo à dimanche. Si j'arrive, je vous mets la vidéo aujourd'hui, sinon je vous la mettrai donc mardi. Comme ça vous avez une vidéo. Donc là je me suis fait mon petit café. J'ai aussi pris mon petit muesli. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un muesli avec mymuesli du coup. L'ancien est indisponible parce que j'ai fait deux recettes. Donc une nouvelle recette qui est disponible sur le site. Donc le lien est en barre d'information. Et vous avez aussi des calendriers de l'avant avec mon code promo. Vous avez des remises. Donc n'hésitez pas à les checker en barre d'infos. Vous avez toutes les informations. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Alors en fait la semaine dernière il s'est passé beaucoup de choses. J'ai je suis beaucoup sortie, du coup j'avais très peu d'heures de sommeil. Et hier je suis allée à Astérix pour Halloween. Oh, un truc de ouf, faut que je vous fasse un story time sur Instagram là. Mais vraiment un truc de ouf, je me suis chiée dessus, vraiment, vraiment c'est un truc à faire à Paris si vous venez à Paris. En tout cas faites Astérix à Halloween, c'est incroyable. Donc je vais vous faire la petite story time sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOF. Vous avez adoré les deux dernières photos. Franchement je m'attendais pas du tout à ça, à avoir plus de 1000 likes sur mes photos, franchement merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir quand une femme pose en lingerie, bah que voilà il y a un soutien féminin, qu'on n'est pas là trop à se descendre. Enfin il y a eu 2-3 personnes qui m'ont descendu mais franchement ça m'atteint pas vraiment parce que je sais ce que rend la photo, je sais comment la photo est belle et pas vulgaire etc. Donc merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours, vous êtes adorables franchement, j'ai une communauté incroyable. Je prends mon petit déjeuner et ensuite on va attaquer cette journée parce que moi le lundi c'est la journée de la mort. Je fais tout ce que j'ai à faire pour toute la semaine. Donc je réponds à mes mails, je dois aller à la poste. J'en ai marre de la poste, j'en peux plus. J'ai commandé mes calendriers de l'avant. Et voilà, écoutez, on va attaquer cette petite journée de chill. Vraiment très administratif aussi. Et puis bah c'est parti. Je suis partie genre 1h30, il a pas bougé, il est resté dans le plaid. Mon chat a froid hein. Mais il fait pas si froid que ça là, il fait bon dehors, il doit faire moins 20 degrés. Mais je ne mettrai pas le chauffage, tu te démerdes. Je chiale. Du coup je suis allée compléter mes petites courses que j'avais faites la dernière fois dans le dernier vlog. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et j'ai passé aussi une commande sur SHEIN. Donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris. Alors on va commencer par la bouffe, comme ça je le mettrai directement au frigo. Je suis allée à Carrefour, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée à Carrefour. Et en fait ça vaut vraiment beaucoup plus le coup que Lidl. Alors attendez, vous êtes un peu penchés. Parce qu'il y a des yaourts et tout qui sont beaucoup plus avantageux d'acheter à Carrefour qu'à Lidl. Donc je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Parce que là Lidl j'en ai pour 75 € pour rien du tout. Bon là j'en ai pour 25 €, il n'y a pas grand chose non plus. Mais c'est des choses que j'aime bien manger. Genre il faut se faire plaisir dans la vie. Donc je me suis fait un peu plaisir. Donc j'ai pris du fromage comme ça, ça faisait trop longtemps que j'avais pas goûté ça. C'est de la tome, ça faisait 2 €. J'ai pris des yaourts comme ça, de la mousse au chocolat de Bonne Maman. C'était à moins 30%, en fait il y avait plein de promos sur les yaourts. C'est trop bien. Les Kiri j'en ai pris 3 comme ça. C'était 2 + 1 offert, ça me revenait à 8 € je crois les 3. Ce genre de choses en fait j'adore manger ça. Sans le Kiri moi je kiffe. Donc sur une tartine ou juste comme ça j'adore. Je me suis acheté du riz parce que j'en ai mais je sais pas comment on le cuisine le riz. J'ai jamais cuisiné du riz. Enfin j'ai toujours fait avec un cuiseur à riz et jamais dans une casserole normale. Du coup j'ai pris ça, c'est avec des sachets. Je me dis que je vais pas échouer, enfin ça a l'air simple de faire du riz. J'ai acheté tant bien que mal une herbe à chat pour Prince, 1,99 €, il faut que je l'arrose parce que là c'est une catastrophe. J'ai pris des Actimel, c'était moins 40% je crois sur le pack. Donc trop contente, j'adore les Actimel, je trouve ça trop bon. Et en fait à Lidl à chaque fois je prends les dupes au niveau des yaourts comme ça là. Et les dupes je crois ils coûtent dans les 1 €, je crois que c'est 1 €. Et là c'était 2,39 € les 6, donc c'était une promotion découverte. Donc là il y a framboise, fraise et cerise. Donc trop contente, franchement j'aime trop ce genre de truc, c'est trop bon. Et là c'est ananas, mandarine et pêche. Donc voilà, j'étais trop contente quand j'ai vu ça et voilà ce que j'ai acheté. Voilà pour mes petits achats du jour. Je vais ranger ça et je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur SHEIN. Alors pour SHEIN j'ai pris des chaussures. J'avoue les chaussures c'est vraiment compliqué de les choisir je trouve parce que c'est souvent hop soit trop grand, soit trop petit. Donc après, il y en a, vous pouvez les renvoyer, il y en a d'autres, vous pouvez pas. Genre par exemple, celles que j'ai prises là, on peut pas les renvoyer parce que le prix était tellement bas, je crois que je les ai eu à 6 €. Et bien, comme c'était en déstockage, je ne peux pas les rendre, donc j'espère que ça m'ira, sinon je donnerai à une copine. Faire comme ça de chaussures, j'en ai pas des toutes fines et tout pour mettre avec des smokings, avec des choses comme ça. Donc on a des petites sandales trop mignonnes. J'ai fait en fait la commande sur Shein parce qu'il y avait des conneries de Patrick. Donc celles qui ne savent pas ce que c'est les conneries de Patrick. En fait, à Noël, chaque année, on s'offre des cadeaux de merde, vraiment de merde. Et en fait, faut deviner ce que c'est parce que c'est des cadeaux indevinables. Genre vraiment, c'est hyper compliqué de trouver son utilité, et donc en fait mon père chaque année il nous en offre ça. Donc après j'ai appelé ça les conneries de Patrick, je trouve que ça sonnait bien. Et en fait chaque année voilà, vous kiffez ça et je vous montre et tout en story à la période de Noël. Donc là j'en ai acheté, pas mal de conneries, je sais même plus ce que c'est. Voilà, j'ai acheté ça, voilà, c'est ce genre de choses en fait les conneries de Patrick. Ah si, c'est bon, je sais ce que c'est. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on offre à Noël et j'adore le concept, je trouve ça trop drôle. J'ai acheté aussi des poignées pour mettre sur mon... Enfin, au niveau de mon meuble Billy, je n'ai pas de ciseaux. Si vous allez voir comme ça, donc on fera ça dans la vidéo, je pense on installera tout ça. Donc il y a déjà les vis intégrées, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, ça m'a coûté genre 1 € la poignée, donc vraiment pas trop cher. Et c'est ça en fait que je voulais acheter depuis bien longtemps. Ah, je suis contente que ça soit pas en verre. C'est lourd sinon. Je me suis acheté une bouteille en plastique, mais franchement le plastique ça va, il est de qualité, avec les heures dessus. Donc vous voyez il y a les heures et je trouve ça super bien. En fait il faut la remplir 2 fois, donc une pour le matin et une pour le soir, donc 8 h etc. Donc moi j'essaierai déjà de faire juste pour une journée, enfin juste une bouteille. Donc je crois que c'est 50 centilitres dans mes souvenirs. Et en fait j'ai vraiment un problème, c'est que j'arrive pas à boire et je me dis qu'en fonction des heures, bah, je vais essayer de me forcer à boire pour atterrir, enfin pour arriver à l'horaire indiqué. Donc là ce que je fais en ce moment c'est dès que ma pote boit, bah, je bois et je dois atterrir à son même niveau. Mais donc, des fois ma pote elle est pas tout le temps là, genre elle est pas là là. Et ben j'aimerais bien voilà, mettre de l'eau à l'intérieur et boire, mettre des fruits ou je sais pas, un truc... où c'est facile à boire, et en plus la bouteille elle est vraiment trop belle je trouve. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est pas une collab, hein, c'est vraiment moi qui ai payé tout ça. Et j'ai utilisé mon code promo, c'est PandapiTQ2 je crois, avec le cashback aussi de chez eBay Club. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, chaque fois je vous mets des petits bons plans et tout. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est une gomme panda, j'en ai acheté en 2 fois, une pour moi et une pour ma voisine parce qu'elle adore les pandas. J'ai acheté ça, c'est pour mettre dans la voiture, vous savez ça se met au niveau du dossier, enfin du dossier, en fait tu peux mettre ton sac à main et tout, genre ça se suspend, je trouve ça plutôt pas mal. Oh, je suis trop contente, j'ai reçu ça, c'est excellent. Franchement si vous voulez passer commande sur Shein, rajoutez ça à votre panier parce que c'est trop bien. C'est un gel pour les lèvres et franchement c'est génial, je l'ai en bleu donc je l'ai racheté en rose, il est trop bien. Il a un super goût, il te rend les lèvres, enfin pas tout doux, c'est pas un baume, hein, c'est vraiment un gel pour comme un gloss. Et en fait ça se présente comme ça. Vraiment c'est génial, enfin moi je vous le conseille, c'est... Je sais pas si ça colore les lèvres, je pense pas, mais c'est... C'est hyper agréable. Bon, j'ai déballé la petite gomme pendant et en fait c'est trop bien. Donc c'est une gomme, donc ça s'enlève comme ça, là t'as la gomme. Et en fait là t'as un taille-crayon. Et là tu vides. Si j'y arrive, voilà. Je trouve ça trop bien. Je pensais que c'était juste une gomme en fait, non c'est un tout en un, je suis trop contente. Donc j'ai pris un cache AirPod Panda, donc par contre je sais pas comment on fait pour retirer le cache existant, je sais pas du tout. Donc j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. J'ai pris ça mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça, bon, en plus c'est une prise jack donc ça n'a rien à voir avec mon téléphone, je sais pas. Franchement je n'ai aucune idée pourquoi j'ai pris ça, je devais avoir une idée en tête à ce moment là mais je ne sais pas. J'ai pris ensuite ça, je voulais en bleu mais il arrive en vert, c'est pas grave, tant pis. En fait c'est un coussin, faut le gonfler. C'est un coussin pour le, en forme de coquillage pour le bain. Donc voilà, je vais tester ça très prochainement. Ensuite j'ai acheté ça en conneries de Patrick, donc c'est ce genre de petit produit. C'est ça, voilà. Essayez de deviner, je pense que vous n'arriverez pas à deviner parce que vraiment c'est indevinable. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait c'est pour mettre au niveau des rétroviseurs, c'est pour éviter soit le soleil, soit la pluie, etc. Que ça se mette... En fait tu mets ça au niveau de ton rétro, enfin je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous irez voir. Et c'est excellent, donc je vais tester ça. Et aussi pour les rétros j'ai pris ça, donc c'est des espèces de petits trucs là que tu mets sur ton... ton rétroviseur et en fait ça n'accroche pas la buée, la pluie, etc. Et moi c'est un gros problème avec ma voiture, c'est que ça, ma voiture elle accroche toute la pluie, je ne vois strictement rien dans mes rétros quand il pleut. Donc ça j'ai acheté ça pour moi et pour les conneries de Patrick. J'ai pris ça aussi, ça pourrait être en conneries de Patrick mais ma soeur elle connaît donc je pense pas que je pourrais lui acheter ça. Mais en gros j'ai pris des petits coussinets comme ça, c'est des petits coussinets pour les pieds quand voilà, vous sortez, vous mettez des talons, vous avez mal aux pieds, etc. Toujours, vous savez au niveau de là, moi j'ai toujours mal là, et ben du coup vous mettez ça au niveau de vos pieds et ça sert pas trop je trouve là. Et ça ne sert pas, ça fait du bien aux pieds, ma soeur m'a dit que c'était génial. Et j'ai pris d'autres choses aussi pour les pieds, ces genres de petits coussinets. Donc ils font pas mal d'accessoires comme ça pour les pieds, c'est vachement bien. Et j'ai pris une brosse comme ceci pour nettoyer les bouteilles, etc. Enfin tous les trucs un peu chiants, genre les vases, voilà, j'ai pris ça. Et du coup j'ai pris aussi une paire de chaussures. J'ai pris des bottines comme ceci, je la trouve trop jolie. J'espère que ça va pas être trop large, je l'ai pris en taille 39. Ah ça va pas être trop petit du coup. Oh, c'est trop large. Bon, faudra que je vois. Mais c'est un peu trop large comme d'habitude et un tchet, mais un tchet trop petit. Donc écoutez, voilà pour ce petit haul Shein, etc. Voilà, c'est juste pour reprendre comme ça en vidéo pour vous montrer mes derniers petits achats. Donc voilà. Bon, je vous ai fait la petite story time. Ça m'a pris une petite demi-heure, une heure, je pense, à faire la story time. C'est des petites vidéos courtes mais j'essaye vraiment de vous captiver quand je vous fais les story time parce que tout ce que je dis c'est vraiment vrai mais j'aime bien rajouter un peu de suspense, de punch et tout, vraiment c'est tout un art de raconter des story time. Donc voilà, c'est sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller checker. Donc c'est parti pour cette journée, on va peut-être se préparer un tout petit peu. J'ai acheté de nouvelles choses sur Sephora, je crois pas vous l'avoir montré dans le haul précédemment. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Déjà j'ai reçu de la marque Avène, ils m'ont envoyé d'autres petits produits. La crème hydratante, donc c'est le hydrogel, c'est celui-ci. Ça va faire une semaine je pense que je le teste. Donc c'est un gel crème hydratant et donc si tu peux mettre le jour ou la nuit, c'est comme tu veux. Et en fait ça te permet d'apaiser, de te détoxifier et d'hydrater ta peau. Je suis un peu déconcertée parce que j'adore ce genre de produit mais je comprends pas parce que j'ai l'impression que ma peau elle colle. Mais d'habitude ça le fait pas et j'ai l'impression que ma peau se graisse beaucoup plus vite. Donc je continue de tester mais je pense que c'est plus une crème pour l'hiver parce que là bon il fait 25 degrés dehors donc je pense pas que ça soit bien adapté avec cette saison là à l'heure actuelle. Mais en tout cas elles sont super bonnes, elle est hyper légère donc je vais la mettre là juste après. Et j'ai aussi reçu le sérum hydratant, donc ça je l'ai pas encore testé parce que j'en ai un déjà que je teste et j'adore en fait le packaging, je trouve ça vraiment très joli les packaging de chez Avène. J'utilise en ce moment le soir les petits sérums là qu'ils m'ont envoyé la dernière fois là. Le sérum correcteur et le soin de nuit lissant. Alors attendez. Donc ces petits produits là je les utilise. Franchement celui-là il est un peu déconcertant parce qu'il est, orange. Donc c'est un peu bizarre mais franchement très bon produit pour l'instant. En tout cas j'aime beaucoup. Et j'utilise ça le soir et pour l'instant ça fait le taf. Si vous manquez d'hydratation n'hésitez pas à tester ces deux petits produits là. Après celui-là vraiment il est un peu collant. Je trouve ça hyper bizarre parce que ça me le fait jamais ça de base avec les produits de chez Avène. Donc à tester, je vais essayer de continuer de tester. Ensuite de ce que j'ai acheté à Sephora. Alors à Sephora j'ai acheté le calendrier de l'Avent Rituals, celui-là 70€. Bah, je voulais un calendrier de l'Avent et j'en avais pas et ça me saoulait, du coup j'ai pris le Rituals parce que voilà c'est un basique. Et j'ai fait des petits achats, j'ai pris la lotion de chez Sephora à la chlorelle je crois. C'est un tonique rééquilibrant pH neutre, anti-pollution et lisse. Il y en avait un autre mais il était en promotion et il était plus disponible du coup j'ai pris celui-ci. Pas très cher je trouve, ça va. Et ça permet de nettoyer ta peau etc. Franchement moi je prends ça tous les matins quasiment ou tous les soirs ça dépend. Et donc soit je prends cette lotion, soit je prends le nettoyant de chez REN qui est vraiment très bien aussi. Donc ça m'a fait ouais je pense aussi une semaine que j'utilise. J'ai ensuite acheté ça, donc ça j'en avais déjà un mais que j'ai fini donc j'en ai racheté un autre d'une autre marque, donc de la marque Sephora. C'est un petit peu cher sur le site de Sephora, sur le site de YesStyle c'est beaucoup moins cher et plus efficace. Mais voilà j'ai pris ça parce que voilà j'ai pas mal de boutons là en ce moment vu que je viens d'avoir mes règles donc c'est une catastrophe donc j'ai pris ça. En fait faut pas... Pour ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas mélanger, il faut juste tremper le petit coton, prélever la petite pâte et après la pâte vous la mettez sur le bouton. Très bien, ça marche très bien, mais là j'ai testé hier, donc à voir au fur et à mesure du temps. Et en fait c'était un pack avec la lotion, donc la lotion avec la petite trousse, et la petite trousse il y avait des lingettes exfoliantes douces pamplemousse, donc ça c'était en fait un coffret si vous voulez. Un masque yeux pastèque, il y avait aussi un nettoyant matifiant, voilà toujours la marque Sephora, et ça en fait ça m'a coûté 20 € je crois, sachant que ça coûte dans les 17 €. Donc franchement ça allait, c'était pas si cher que ça. Et pour arriver à 100 €, bah, au bout de 100 € d'achat t'avais un truc offert. Bah j'ai pris un petit baume à lèvres hydratant, ça je l'ai pas encore testé. Et il y avait aussi les exfoliants que j'ai jamais testé de chez Sephora. Donc là je l'ai pris à la pastèque. Ah j'ai pris tout à la pastèque en fait. Putain j'avais viens de capter. Il colore les lèvres. Il sent super bon. Oh j'aime trop. Et en gros pour 100 € d'achat vous aviez une petite pochette comme ceci avec plein de petits produits, c'est trop bien. Alors dans les produits j'ai eu le Bun Bun Cream. Donc ça c'est vraiment un basique, ça on le voit un petit peu partout. J'ai reçu encore la petite lotion vitamine C de chez Pixie, trop bien. J'ai eu ensuite plein de petites miniatures. Après je sais pas trop de... Enfin je vous montre vite fait, mais voilà vous avez Mario Badescu, vous avez ça, vous avez du Fenty, vous aviez aussi un masque hydratant pour les cheveux. Enfin vraiment il y avait quand même pas mal de produits, hein. Sans vous mentir, j'étais assez contente hein, pour 100 € d'achat. Un sérum pour l'acné, ensuite il y avait un... Enfin voilà, il y avait plein de petites miniatures, voilà, plein de miniatures. Il y avait aussi ça, c'était un truc pour la peau. Et vous aviez aussi même des quelques gouttes, ça c'est vraiment bien parce que ça dure longtemps. Quelques gouttes du truc Isle of Paradise pour bronzer. Donc voilà, franchement il y avait pas mal de petits produits, j'étais trop contente. Donc ça c'est bien, quand vous voulez partir en voyage, vous avez plein de petites miniatures. Et voilà, je suis ravie. Donc là je vais me préparer parce que je ne ressemble strictement à rien. Par contre l'odeur de la crème hydratante de chez Avène, elle est incroyable. C'est la même odeur que la crème pour le corps que j'utilise, qui est incroyable aussi. Et ouais je suis un peu deg parce que c'est... J'ai l'impression que ça ne s'évapore pas en fait, ça reste gel crème sur la peau assez longtemps. Alors que de base ça devrait pas le faire, pourtant j'en mets vraiment pas beaucoup, j'en mets vraiment une petite louchette. Et ben dis donc, vous vous rendez compte que 3 points de correcteur, du mascara et un petit peu de baume à lèvres, bah ça a fait des miracles. Il y a 3 secondes je ressemblais à un panda écrasé, là maintenant je ressemble à quelque chose de vivant. Je chiale. Bon bah c'est parti pour cette journée, on va faire le planning, on va faire la to-do list, let's go. Pour savoir, je ne suis pas allée dans le bureau depuis extrêmement longtemps. Attendez, je baisse la luminosité, voilà. Tout simplement parce que je ne bosse pas. Genre vraiment le master là au début c'est très light et je me dis c'est bizarre que ce soit aussi light, sachant que j'ai déjà passé des oraux etc. Mais je pense qu'il va falloir que je me bouge le cucu. Au bout d'un moment je peux pas rester comme ça. Voilà, là je dis je dois rendre un écrit. Et après, dans cette matière-là, je n'aurais pu rien à rendre. Parce qu'en fait, je suis passée dans les premières. Du coup, j'avoue, je ne bosse pas beaucoup. Et je pense que c'est un problème parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Parce que là, c'est plus possible. Voilà, je ne fais pas grand-chose. Dites-vous que là, c'est mon planning de septembre. Voilà, nous sommes au mois d'octobre, fin octobre. Je n'ai pas fait mon planning de mois d'octobre. Donc, pour vous dire que à quel point j'en ai strictement rien à branler. Donc, on va faire le petit planning d'aujourd'hui. Hop, on va mettre à la poubelle. Même les vidéos et tout, je voulais faire des biscuits d'Halloween, mais j'ai pas envie, du coup je le fais pas. Même si il y a 2 semaines j'avais envie. Regardez le bleu que j'ai, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai un sacré bleu. Vu que je me suis cognée à la maison hantée là. Alors aujourd'hui, je devais vous montrer les produits Sephora. Bon, c'est fait. Ensuite, je veux alors colis plus retour, parce que je dois faire un retour de chez SHEIN pour les chaussures. Donc faut que je fasse ça. Putain, j'aimerais bien la grand frais quand même. Qu'est-ce que c'est cher. Faut que je réponde aux mails, faut que je commence mon cas pratique. Je dois récupérer mon diplôme aussi aujourd'hui. Mais je vais pas le faire, je pense que je vais essayer de le faire jeudi. J'aurais dû faire ma to-do list hier soir parce que j'avais tout en tête. Là je n'ai plus rien en tête. Est-ce que je vais réussir à faire tout ça, sachant que je vous upload la vidéo ce soir à 18 h. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai à faire. J'aimerais bien vous montrer mes cours, tiens. Je sais pas si vous vous souvenez, en droit je vous avais dit que j'allais pas aller en cours parce qu'il y avait le cours directement tapé. Et en fait bah j'y vais. Voilà. Et j'ai pris moi-même les cours et je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer tout ça, donc je vais faire un petit partage. Comme ça voilà, vous avez l'habitude des petits partages. Je me mets ici. Ici, je vais mettre donc le petit partage à ma gauche. Donc voilà à quoi ça ressemble le droit, pour essayer de vous éclaircir un petit peu les idées là-dessus. Une page écrite à ma façon, c'est environ 3-4 pages écrites à l'ordi. C'est une fiche du cours, si vous voulez, que je fais directement en cours. C'est-à-dire que je synthétise directement ce qu'il faut dire, les trucs importants je les mets, les trucs pas importants je les mets pas. J'aime bien, voilà, faire des petits titres comme ceci. Voilà, ces titres-là, ça vient de chez Studio, donc c'est l'application qui s'appelle Studio. Je vous l'ai déjà présenté, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur l'iPad, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos sur l'iPad. Donc voilà, tout ça c'est des titres que j'ai fait. Je vous ai tout le temps, je vous ai déjà montré comment on faisait ce genre de choses, donc n'hésitez pas à vous référer à mes vidéos précédentes. L'application que j'ai là, c'est GoodNotes, donc Bonne Notes 5. Donc voilà, c'est celle-ci et voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vous ai mis que là la partie 2 ne sert strictement à rien parce qu'elle ne sert strictement à rien. Donc j'ai pas préféré prendre des notes parce que vraiment c'était inutile, très inutile, ça ne sert vraiment à rien. Là c'est le titre 1, donc quand je vais l'imprimer en fait, bah au moins j'aurai cette partie-là, je pourrais mettre mon post-it dans mon classeur. Donc peut-être je vais le faire aujourd'hui, tiens. Et donc voilà ce que ça donne le chapitre 1, la période d'essai, les clauses particulières, donc ça c'est les CDI, les normes juridiques, donc voilà. Ça. Période d'essai, définition, etc. Voilà, enfin voilà. Ensuite le CDD après les ordonnances, donc il y a différentes choses, CDD à durée incertaine, certaine, fin du CDD, enfin voilà, j'ai mis ça comme ça. Donc vous pouvez voir que mon chapitre 1 fait une page, recto verso, c'est extrêmement peu, alors que sur l'ordi ça fait énormément de pages. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs sur l'ordi ce que ça donne. Le chapitre 2, le pouvoir patronal, donc là j'aime bien faire ce genre de petites choses. Donc mettre un sticker, ce que j'avais eu de Stationary Pal. Donc ça c'est des stickers, voilà, j'en ai plein. Et dessus j'ai mis par exemple les articles à connaître. Donc au moins ça permet de mieux ressortir les articles et de pouvoir mieux voir, mieux apprendre. Et j'ai mis des petits trucs là comme ça, focus, parce que c'est des trucs assez importants que le prof a parlé. Il a dit voilà ça c'est important donc j'ai mis focus. Voilà, ensuite le titre 2. Vous pouvez voir que ça prend vraiment une page et demie. Mes chapitres, alors que sur l'ordi c'est un peu plus long. Le chapitre 1, le salaire, voilà ça fait une page, j'ai réussi à tout mettre dans une page, donc c'est vraiment pratique pour réviser parce que c'est une page, donc c'est pas énorme. Là chapitre 3, j'ai vraiment essayé de l'optimiser au max parce que de base ça me faisait 3 pages sur ma tablette et j'ai réussi à scinder en une page, enfin un recto et un petit verso. Donc au début, voilà, j'ai mis encore une fois un stickers. Le MCT, les modifications, donc les différentes modifications. Donc 1, 2, 3, 4. Les focus, voilà, encore une fois, c'était hyper important, ce genre de choses. Sinon, j'aime bien rajouter ce genre de petits gugus où c'est vraiment le truc important. Parce que voilà, ça souligne le mot contractuel qui est assez important. Et voilà, la SCCT, ça fait que ça. Donc voilà, j'essaie de vraiment diminuer au max. Et là, c'est la suite. Et j'ai mis revoir court parce que là j'avais pas trop suivi ce qu'il avait raconté, je vous avoue. Mais voilà, j'ai mis ça à revoir court pour essayer de revoir. Le chapitre 4 fait juste ça. Donc ça c'était vraiment très rapide. Donc voilà. Et le titre 2, voilà, ça c'est pour le prochain chapitre. Donc voilà mes cours, à quoi ça ressemble, pour celles et ceux voilà, qui sont intéressés par ce genre de choses. Moi je fais mes cours comme ça. Et franchement c'est beaucoup plus clair que par exemple avec ça là, ce que j'avais fait. J'aurais pas dû l'imprimer parce que j'ai imprimé 50 pages pour rien. Et voilà, de base, voilà, c'est des cours comme ça et au final, j'arrive pas à apprendre, je comprends, enfin, c'est chiant. Encore une fois, j'assume, j'ai fait totalement de la merde. Donc voilà, c'est beaucoup mieux d'aller en cours, même si j'ai 3 heures de cours entre chaque cours. Mais au moins, je comprends mieux. Et c'est plus cool. Bah, à quel moment j'ai 9% de batterie, c'est pas possible. Il fait un temps dégueulasse dehors, j'ai vu que la poste était ouverte. Du coup, je vais y aller, je suis en train de préparer mon colis. Voilà, parfait. Bon, je vais à la poste, je vais à grands frais et on se retrouve juste après. Bon, je viens de récupérer mon colis, je pensais pas que c'était ça. En fait, c'est un colis mymuesli, je pensais que c'était un autre truc bizarre que je n'ai pas reçu encore le truc en question. Oh, mais c'est incroyable. Putain, j'ai trouvé mon spot les gars. On va se calmer. Du coup, faut que j'aille à... Grand frais, comment je fais pour la grand frais? Je n'ai aucune idée de comment la grand frais d'ici. Je pense que je vais prendre le chemin basique. Hein. En fait, la poste ici à Thiais, genre c'est vraiment une catastrophe parce que le parking est nul à chier. Pour faire un demi-tour, c'est pas possible. On galère tous. Du coup, là, il y a 3 voitures qui font demi-tour. On va patienter un petit peu, Elisa. Voilà, 3 demi-tours, on va me dire. Et il y en a un qui arrive. Ok, super. Bon, j'attends un petit peu. Hein. Voilà. On va attendre un tout petit peu que tout le monde se gare. Tout le monde... Ouh là là là, ma voiture, monsieur. Quand je vous dis que c'est un bordel sans nom, genre vraiment, c'est un bordel sans nom. Bon, comment je vais m'en sortir, moi, encore? Hop là, on va faire un magnifique demi-tour, Elisa. Admirer. Voilà, ça c'est du professionnalisme et je sais pas du tout comment aller à grands frais. Allez, avancez là. Ah, donc là je vais à grands frais et je vais essayer de trouver du GPL parce que je suis à l'essence depuis le début. Et au bout d'un moment, bah c'est bien mignon, bien gentillet, mais c'est une catastrophe. Oh, putain, il y a du GPL. Oh my god. C'est pas vrai. Ah ouais, j'ai enfin pouvoir mettre du GPL. Il est à combien aussi? 80 centimes. Ça va? On a vu pire. Je vais mettre du GPL, les gars. Attendez, je vais mettre, après on va voir si ça se trouve ça marche pas. Oh my god. Ça fonctionne, fonctionne. Allez mon gars, s'il te plaît. Ça fonctionne. Oh putain de ta mère. Je savais pas, mais en fait, c'est 32,5 litres mon réservoir. 26 euros. Ça va quand même. Et là, hop, trop contente. C'est gelé. Ah merde. Je suis trop contente. Enfin du GPL quoi, c'est waouh. Je galérais avec mon essence, j'avais quand même toutes mes barres quasiment, genre 7 je crois de barres en tout. Mais là ça fait du bien, là enfin je vais pouvoir rouler sans vraiment consommer. Et enfin ça reprend normalement. Et là je vais activer enfin le GPL, oh my god ça y est il a activé. Oh là 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 là. Une consécration. Parce que les gens qui faisaient la queue pendant une heure, je sais pas comment vous faisiez, hein. Vraiment je pense que vous devez être désespérés. Comme quoi vraiment... Une économie, une stabilité dans une société, ça dépend de tout le monde. Parce que vraiment, de l'essence, c'est genre primordial. L'électricité, c'est primordial. Même les entreprises, les transporteurs, les livreurs, ils ont besoin d'essence. Mais bref, je suis contente, j'ai mon GPL, enfin, ça y est. Il y a vraiment une différence quand tu roules au GPL et quand tu roules à l'essence. Le GPL, il est plus dur. Tu sens mieux les à-coups, etc. Et ça fait trop bizarre, là. À l'essence, quand tu roules à l'essence, c'est comme si tu roulais sur un petit nuage. Et quand tu roules au GPL, c'est vraiment... Bon, je viens d'aller à grands frais, j'en ai pour 25 euros. Je suis contente, c'était ce que j'avais pensé comme budget. Donc j'ai pris tous les fruits que je voulais, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, j'ai fait la poste, j'ai fait les courses, j'ai fait le GPL, putain. Oh là là, je suis trop contente. On rentre à la maison et on va s'occuper des mails et tout le bordel que je n'ai pas répondu depuis au moins 3 semaines. Hein. Et ben vous savez quoi, j'ai envie d'aller à Primark, leur faire juste un petit tour, voir un petit peu me balader et tout, ça fait longtemps que je suis pas allée. Donc aller à Primark, aller à Cultura, voir s'il y a un nouveau Donald. Je reviens des courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, à grands frais, je prends toujours la même chose quasiment. Là, j'ai pris 4 mandarines. Je me suis dit, on va peut-être tester. Je sais pas si c'est le début de la saison, mais je sais pas si elles sont bonnes là actuellement. J'ai pris 2 fois des fruits de la passion parce que les fruits de la passion, j'en mange assez souvent. C'est très très bon pour le corps, pour les vitamines et tout. Donc ça, j'en prends tout le temps. J'ai pris aussi des tomates cerises. C'était 4 euros le kilo. Voilà, j'ai pris ça, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. J'ai acheté des mozzarella sans lactose, mais ça c'est pour mes voisins. Des bananes, des avocats. Là c'est nouveau, je me suis pris un saucisson. Voilà, je voulais tester. Des olives, je vais manger juste après, j'aime trop. Et surtout de l'ananas, déjà découpé. Moi, de l'ananas pas découpé, c'est mort, j'ai la flemme. Du coup, je prends toujours ce genre de choses. Et c'est très très bon. À Primark, alors je voulais acheter une écharpe, un petit pull noir et aussi je voulais acheter des draps Et là je suis trop contente, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Alors j'ai acheté une écharpe, elle est toute douce, elle est trop belle. Elle coûtait 8 €, franchement trop contente, vraiment d'une qualité incroyable. J'en ai acheté une autre encore plus douce, celle-ci à 7 €, trop mignonne. Voilà, j'aime trop les écharpes de Primark, moi ça me dure des années, je les aime beaucoup trop. J'ai acheté aussi ce pyjama là, je l'aime trop. Donc c'est un pyjama pilou avec le bas comme ça un peu voilà, Noël, et très doux, j'aime trop. Donc j'ai trop hâte de faire mes petites sessions au calme avec les petits films de Noël et tout, j'ai trop hâte. Ensuite j'ai pris ça, du coup c'était 26 €, c'est 100% coton. Celui-là je le voulais depuis longtemps, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais dans ma taille. Donc moi j'ai un king size, donc il faut des grands draps. Et encore je crois que c'est pas assez grand, puisque moi c'est du 240 et là c'est du 230. Donc bon c'est pas grave, mais je vais m'empresser de le laver parce que j'aime trop le motif. Enfin je trouve ça trop joli, à chaque fois il n'y a jamais la taille, c'est chiant. Et j'ai pris un petit pull en polyester recyclé. Voilà, c'est un pull vraiment basique, vous savez, pour mettre au niveau des... pour mettre avec des jupes et tout, et j'en ai jamais. Et là voilà, je me suis dit on va tester ça. Ah je l'ai pris en M. Non c'est pas possible. Ah oui parce que le S il me paraissait un peu petit. Pour ça ça fait un petit effet loose. Ouais très bien, ça coûtait 10 €. Voilà j'ai pris ça, et je suis passée aussi à Cultura et j'ai pris donc un Picsou collector. J'ai enfin trouvé la tasse avec les petites fesses de chez Primark, elle coûtait 3 €. Trop mignonne, ça fait trop longtemps que je la voulais et elle est enfin en rayon. Et du coup j'ai récupéré un colis chez mymuesli, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc je suis en collaboration avec mymuesli depuis quand même plus d'1 an et demi hein, maintenant. Et ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés. Ils m'ont envoyé un calendrier de l'Avène. Non. Mais c'est trop mims. Regardez comment il est trop mims. J'aime trop. Et c'est un calendrier de l'Avène du coup. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Si j'ai un lien, je vous le mettrai en barre d'information. Est-ce qu'on ouvre une première case? Allez, on ouvre la première pour voir ce que c'est, parce que ça me perturbe. C'est trop mignon, c'est des toutes petites cases. Oh mais c'est trop chou! Mais c'est trop bien! En fait c'est du chocolat. C'est un calendrier de l'Avène chocolat. C'est des petites barres comme ça, mais c'est trop mimi. Mais j'adore. Mais j'adore le concept. Et je pense que ça doit être ça partout. Et à la 24e, elle est où la 24e? Après voilà, vous avez des grosses cases et tout. Mais c'est incroyable, je savais pas du tout qui faisait ça. Mais trop bien, je sais pas si j'ai un code promo qui va avec celui-là. Mais n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. C'est un calendrier de l'Avène totalement chocolat avec des petits morceaux. Mais c'est incroyable, pour ceux qui n'aiment pas le muesli ou autre, bah vous avez un calendrier de l'Avène chocolat. Là c'était, et le chocolat que j'ai vu c'était à l'orange. Donc il y a plusieurs goûts je crois du coup. Cannelle, orange, amande, caramel salé, banane, pistache, framboise. Dark, creamy, white. Il y a aussi aux fruits, aux noix, à noix de coco. Et c'est bio et vegan hein, en fait hein. Toute la marque est bio et vegan, mais c'est archi bien. Je suis trop contente, merci beaucoup si mymuesli passe par là, parce que je sais que des fois il regarde les vidéos. Merci beaucoup, franchement trop contente, vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Ah mon dieu, je peux mourir en paix, ça y est. Prince, t'es d'une mignonnerie, mais incroyable. Mon amour, mais comment tu vas faire pour sortir de là? Je te laisse te démerder. Oh, tu te démerdes tout seul, je le sens. Oui, très bien. Du coup, là, je vais aller manger et je vais aller faire mes mails. Je vais aller faire toute la partie administrative qui n'est absolument pas intéressante pour vous. C'est un petit vlog, je pense, ou un gros vlog, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo si j'arrive à filmer. Normalement oui, parce que ça va être les vacances en plus, donc normalement oui j'espère. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui est ElisaBRTOF, je vais vous mettre encore pas mal de photos, je pense que ça va vous plaire, les photos de mon costume d'Halloween etc. Toujours très sexy comme on aime etc, vraiment ça va être trop cool. Et puis bah voilà, vous abonnez à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.